Aujourd'hui, je travaille une photographie que j'ai prise à l'intérieur d'une église. Euh, j'ai photographié à l'intérieur de l'église de Champlain, une très belle église. Euh, l'intérieur est tout en bois. Malheureusement, la lumière à l'intérieur est vraiment très faible. Et il y a un peu d'éclairage au tungstène à l'intérieur de l'église, et à cause de ça, la lumière qu'on a est faible. Et la lumière a une très forte dominante orange. Et pour photographier à l'intérieur de l'église, j'ai juste utilisé un ISO de 6400. Donc, ma photographie aujourd'hui présente trois gros problèmes. Et je vais vous montrer comment surmonter ces problèmes-là. Le premier problème, eh c'est d'abord une image qui est très bruitée. La photo a été faite à 6400 ISO. Alors, une image est très bruitée. Je vais vous montrer comment on fait pour corriger le bruit dans une image euh, qui a été faite à 6400 ISO. Le deuxième problème, c'est qu'il y a une forte dominante orange dans la photo. Alors, je vais vous montrer comment on corrige une forte dominante de couleur. Et le dernier problème, c'est au niveau de l'éclairage. Lorsqu'on regarde la photographie telle qu'elle est en sortant de la caméra, il y a très peu de entre les hautes et les basses lumières. Et à cause de ça, on regarde la photo et on ne voit pas le volume des statues, on ne voit pas le, le relief. On a l'impression que j'ai photographié un, un dessin qui était à plat sur un mur. Alors, je vais vous montrer comment faire pour retrouver du volume lorsque votre sujet est éclairé avec une lumière qui est flatte. Alors, beaucoup de travail aujourd'hui. On y va étape par étape et on s'en va dans l'intro. Bon, alors, première chose que je veux faire, je vais m'attaquer au bruit dans la photographie. Alors, c'est une photographie qui a été prise à 6400 ISO. Alors, euh, avec un ISO aussi élevé, lorsque je zoome la photographie, euh, j'ai du bruit, je vois une granulosité dans l'image. Alors, aujourd'hui, avec la nouvelle fonction de réduction du bruit avec intelligence artificielle, une image à 6400 ISO, ce n'est plus un problème. Alors, j'ouvre ma photographie et la première chose que je fais, après avoir ouvert ma photographie dans le module développement, eh bien, la première chose que je fais, je m'attaque à la réduction du bruit avec intelligence artificielle. Alors, on vient dans l'onglet Détails. Et ici, il suffit de cliquer sur Réduire le bruit. Alors, on laisse Lightroom travailler. Voilà. Alors là, je vais me placer sur le visage d'une statue. Question de voir les détails dans le visage. Et je vais ajuster la quantité de réduction de bruit. Alors, je vais la mettre à environ 80. Étant donné que c'est à 6400 ISO et que j'ai beaucoup de bruit, alors j'ai utilisé une, une quantité de 80 pour la réduction du bruit. Et je clique ici sur Accentuer. Et là, si on regarde dans le coin en haut à gauche, on voit Lightroom qui est en train de travailler. Lightroom est en train de créer un fichier DNG de notre image avec le bruit d'éliminer. Alors, on laisse Lightroom travailler. Voilà. Et lorsque Lightroom a terminé, eh bien, on a notre image DNG avec le, 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 le bruit qui a été diminué. Et si je zoome sur ma photographie, dans les visages des statues, eh bien, j'ai une image qui est d'une netteté incroyable. Il n'y a aucun bruit et je suis incapable de voir. Euh, la texture du plâtre. C'est vraiment un outil fascinant, la réduction du bruit par intelligence artificielle. Donc, le bruit, le bruit c'est réglé. Le prochain gros problème, eh bien, c'est la couleur. Alors là, si on regarde la photographie, on voit qu'il y a une dominante jaune orangée très prononcée dans l'image. Alors, c'est parce que tout simplement qu'à l'intérieur de l'église, c'était un éclairage au tungstène. Et aussi le fait qu'il y a du bois de couleur orangée partout à l'intérieur de l'église, eh bien, la couleur du bois se réfléchit dans les, dans, à l'intérieur de la lumière. Donc, il faut que je retrouve une couleur normale. Alors, pour ça, je vais d'abord regarder ma photo et je vais trouver un endroit de la, dans la photo qui serait supposé être blanc. Alors, ici, pour quelque chose qui serait supposé être blanc, les reflets. C'est toujours un bon endroit où aller. Alors, je regarde dans, dans mon image. Et ici, vous voyez, dans les replis du tissu, du vêtement, de la statue, eh bien, j'ai des reflets. Alors, les reflets sont toujours d'une couleur assez blanche. Alors, je vais prendre tout simplement la pipette de l'onglet euh, balance des blancs de Lightroom. Alors je prends la pipette et je viens cliquer ici sur le reflet. Et automatiquement, Lightroom va corriger les couleurs pour que la région sur laquelle j'ai cliqué devienne blanche. Mm -hmm. Alors voici le résultat que j'obtiens. Parfois, on doit corriger la correction que Lightroom a fait. Alors lorsque je regarde la photographie, je trouve que l'image est un petit peu trop bleue et je trouve qu'il y a une légère dominante magenta dans la photo. Alors je vais tout simplement prendre le réglage température et je vais réchauffer ma photo en ajoutant un petit peu de jaune. Voilà comme ça ici. Et pour éliminer la légère dominante magenta, eh bien, je vais prendre le curseur nuance et je vais ajouter un petit peu de vert. Alors, voilà, j'ai ajouté environ deux unités de vert. Alors, lorsqu'il y a du magenta et qu'on veut l'éliminer, on ajoute la couleur complémentaire. La couleur complémentaire de magenta, c'est le vert. Alors, avec le curseur nuance, j'ai donné deux unités de vert et ça a permis de me débarrasser de la petite teinte magenta qu'il y avait dans la photographie. Et là, j'obtiens une photographie avec des couleurs beaucoup plus normales. Alors, la première chose que je vais faire, je vais diminuer légèrement l'exposition, comme ça ici. Parce que là, c'est un peu plus cohérent avec la lumière qu'il y avait à l'intérieur de l'église. Maintenant, je dois modeler la lumière pour donner du volume à mes sujets. Parce qu'en ce moment, la lumière dans la photographie est très plate. Il n'y a pas de relief dans la photo. Alors, pour modeler la lumière, pour donner du relief, pour faire euh, euh, ressortir le contraste, eh bien, je vais utiliser, eh oui, la courbe des tonalités. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais regarder la statue qui est à l'avant-plan. Et je vais trouver une région dans la statue qui devrait être presque noire. Alors si je regarde ma statue, vous voyez ici, là, dans la manche, à l'intérieur de la manche ici, ça devrait être très, très sombre. Alors je vais prendre ma courbe des tonalités. Je prends la courbe à, à point. Je vais cliquer sur le petit cercle qui est ici dans le coin en haut à gauche. Et là, j'ai placé mes souris sur la région sombre de la manche, qui devrait être très, très sombre. Et je vais tout simplement descendre la courbe des tonalités, comme ça ici, de façon à ce que l'intérieur de la manche devienne très sombre. Ensuite, je vais répéter l'opération, mais avec un point qui devrait être assez lumineux. Alors, pour faire ça, bien, je cherche un point qui est lumineux. Alors, je vais aller dans la statue qui est ici, à gauche, qui porte un vêtement pâle. Et je vais trouver une région qui, qui est illuminée sur le vêtement pâle. Alors, la manche ici. Vous voyez, la manche est du côté où la lumière euh, entre dans, dans l'église. Alors, la manche ici, là, ça, ça serait supposé être très, très lumineux. Alors, je me place ici avec la souris et je soulève la courbe. Voilà. Et si je regarde, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, là, vous voyez, il y a du relief qui est apparu dans la photo. Là, on regarde la photo et on sent le volume de la statue. On voit les ombres, on voit les, reflet les reflets. On a vraiment l'impression d'avoir une statue qui est en trois dimensions. Alors, une fois que la courbe a été placée, eh bien là, je vais m'occuper des réglages de tonalité. Alors, je vais assombrir encore un peu plus les noirs. Voilà. Je vais dégager un peu les ombres. Je vais augmenter l'éclat des blancs. Diminuer un peu les hautes lumières. Et je vais diminuer légèrement le contraste. Voilà, comme ça ici. Prochaine étape, la gestion des couleurs. Alors au début, j'ai appliqué une correction de couleurs en, en utilisant la pipette. Et là, après avoir fait tous les réglages que je viens de faire avec la courbe des tonalités et avec les curseurs de tonalité ici, je regarde ma photo et je trouve qu'elle est un petit peu jaune. Alors je vais reprendre le curseur de température et je vais l'envoyer à gauche légèrement. Voilà, juste pour ajouter un petit peu de bleu. Alors si j'ajoute du bleu, eh bien je vais éliminer le trop plein de jaune qu'il y avait. Bleu et jaune sont deux couleurs complémentaires. Si l'image est trop jaune, j'ajoute du bleu et ça va éliminer le jaune qu'il y avait dans la photo. Alors j'en suis rendu ici dans les traitements de ma photographie. Je vais légèrement diminuer la saturation des couleurs. Parce que honnêtement, les couleurs à l'intérieur de l'église n'étaient pas aussi vives que ce qu'on pouvait voir dans, euh, dans, dans la photographie il y a deux secondes. Alors j'ai légèrement diminué la saturation des couleurs et j'ai augmenté un petit peu la vibrance. Voilà. J'ai augmenté un peu la clarté et un peu la texture aussi, question de donner des, des détails nets aux au statues. Et de renforcer la texture du plateau des statues. Bon, ensuite, quoi d'autre? Alors, je vais attirer l'attention sur les statues en utilisant un fil dégradé linéaire. Alors, lorsque je regarde ma photo, ici à gauche, c'est très, très, très lumineux. Alors, vous voyez ici, il y a une fenêtre avec un grand vitrail. La euh, il y a de la lumière qui entre ici. Alors c'est très lumineux et lorsque les yeux regardent une photographie, ils vont automatiquement se diriger là où c'est le plus lumineux. Alors, je vais tout simplement prendre un dégradé linéaire que j'ai placé comme ça ici. Voilà. Et avec le dégradé lumière, je diminué l'éclat des hautes lumières. Voilà comme ça ici. Et je vais remonter un petit peu la luminosité des tons sombres. Voilà. Alors vous pouvez voir la photo sans le dégradé linéaire avec le dégradé linéaire. Alors tout ce que j'ai fait avec le dégradé linéaire, c'est d'atténuer la luminosité du côté gauche de la photo de façon à ce que la fenêtre devienne un peu moins lumineuse que les statues ici à, à l'avant-plan. Prochaine étape. Je veux renforcer l'effet de trois dimensions des statues. Alors, pour faire ça, je vais manuellement renforcer les ombres et accentuer les hautes lumières des statues. Et pour faire ça, je vais prendre un pinceau. Alors, je prends un pinceau et je vais commencer avec un pinceau pour assombrir les basses lumières. Alors, j'ai pris un pinceau et avec le pinceau, je vais assombrir les basses lumières. Alors je prends la partie gauche de la courbe et je la descends. Ensuite, je m'assure de réduire le débit du pinceau. Je mets mon débit à 54. Comme ça je vais pouvoir prendre le temps d'appliquer le pinceau doucement dans l'image et je diminue la densité du pinceau à environ 88. Et là avec mon pinceau, eh bien je passe doucement dans les régions ombragées de la statue. Voilà, comme ça ici. Dans le but d'accentuer les ombres. Voilà. N'hésitez pas à jouer avec la taille du pinceau, le grossir, le rapetisser, de façon pour avoir, à pouvoir faire des retouches précises. Et ici. Regardez bien votre image. Demandez-vous d'où vient la lumière et dans quelle direction les ombres doivent aller. Et assombris, assombrissez les parties de l'image qui sont opposées à la lumière. Voilà. Comme ça, ici. Ici. Maintenant, dans, dans l'autre statut, je vais. Assombrir ici, un peu sur le côté du visage, voilà. Ici, un petit peu dans les plis de la robe, voilà. Comme ça. Et ça va être tout. Alors, je regarde ma photographie sans les retouches, voyez, et avec les retouches. Alors, vous voyez les coups de pinceau que j'ai appliqués m'ont permis d'assombrir les ombres à l'intérieur des statues. Et ça donne, que ça donne plus de relief aux statues. Alors, sans les coups de pinceau, avec les coups de pinceau. Et je vais répéter l'opération, mais cette fois-là, pour les hautes lumières. Alors, je prends un autre pinceau, comme ça ici. Et cette fois-là, je vais augmenter la luminosité des hautes lumières. Alors, je prends la courbe des tonalités ici à droite. Je la soulève et je place ma courbe comme ça ici. Voilà. Alors, avec la courbe des tonalités placée comme ça, eh bien, les hautes lumières vont devenir plus lumineuses. Et là, je zoome ma photo et j'applique mes courbes, ma courbe de tonalité là où l'image reçoit déjà de la lumière. Alors la lumière arrive par la gauche. Alors le côté de la manche ici reçoit de la lumière. Les plis de la robe ici reçoivent de la lumière. Ici aussi, la robe reçoit de la lumière. Sur la jambe ici, la robe reçoit de la lumière. Voilà. Sur la robe ici. Il y a de la lumière qui, il y a de la lumière sur la main. Ici, vous voyez, il y a de la lumière. Alors, sans les retouches. Avec les retouches. Alors, je vais augmenter un petit peu l'intensité en prenant le curseur quantité et en l'envoyant vers la droite. Voilà. Comme ça, ça me permet d'augmenter euh, l'intensité des réglages de la courbe. Et là, je regarde ma photo sans les, réglages, sans les réglages, avec les réglages. Et là, vous voyez avec les hautes lumières accentuées. Eh bien, là, on a vraiment l'impression que les statues sont en trois dimensions. Maintenant, toute la photographie est dans des tonalités chaudes. Et lorsque je regarde la robe de la statue à l'avant-plan, eh bien, on voit que la robe ici est bleue. Alors, je crois que ça serait intéressant visuellement si la, si la robe ici serait d'un bleu un peu plus prononcé. Alors, je vais prendre un pinceau. Voilà. Je vais augmenter le débit parce, parce que là, j'avais diminué le débit. Question de pouvoir prendre mon temps pour appliquer les ombres et les reflets. Mais là, pour pouvoir peindre des couleurs, je vais augmenter le débit. Et je vais aller dans la fonction couleur. Je clique sur cette petite boîte blanche. Et là, j'ai la sélection de couleur qui apparaît. Et je vais prendre avec la pipette du bleu. Et là, avec mon pinceau, je peins du bleu sur la robe. Maintenant, pour ne pas que les coups de pinceau dépassent la robe, eh bien, je vais activer le masquage automatique. Alors, avec le masquage automatique d'activer, le pinceau va détecter les contours du sujet que je peins et les coups de pinceau ne dépasseront pas de la robe. Alors, je peins du bleu sur la robe, voilà. Comme ça ici. Et je vais zoomer pour aller retoucher la robe ici, voilà. Voilà. Comme ça ici. Voilà. Alors, sans la retouche, avec la retouche, vous voyez, le bleu que j'ai ajouté reste subtil, mais ça rend la statue beaucoup plus intéressante à regarder. Alors, quoi d'autre? Eh bien, quoi d'autre? C'est peut-être un petit peu de color grading. Alors, je vais prendre l'outil color grading dans les ombres. Dans j'ai ajouté un peu de bleu-violet, comme ça ici. Voilà. Dans les tons moyens, j'ai ajouté une teinte de jaune, comme ça ici. Voilà. Et dans les hautes lumières, j'ai ajouté une très légère teinte de cyan vert. Très légère. J'en augmente la luminance et j'en augmente encore la saturation. Voilà. Et finalement, je vais jouer avec la balance. Je vais mettre la balance un petit peu vers la gauche. Je vais diminuer la fusion pour éviter que les trois teintes de couleur se mélangent trop les unes aux autres. Alors, sans le color grading, avec le color grading. Alors le color grading rend la photo beaucoup plus agréable. Ensuite, je vais légèrement augmenter la luminance de la teinte jaune-orangée de la statue, parce que je trouve que la couleur est un peu fade. Alors je viens dans l'onglet TSL, luminance, je clique sur le petit point qui est ici, je place ma souris sur le visage de l'ange et je soulève le souris et vous voyez, j'augmente la luminance de la couleur de la peau de l'ange. Et ça fait que l'ange devient euh, beaucoup plus intéressant. En faisant ça, je crois que la robe de l'ange ici, sur la façade, c'est peut-être devenu un petit peu trop lumineux. Alors, je vais prendre un pinceau. Je vais diminuer les hautes lumières. Et je vais passer mon pinceau comme ça sur l'ange. Juste pour diminuer l'éclat des hautes lumières sur la robe. Alors, vous voyez, j'ai commencé par ajuster la luminance du orange avec la, euh, la fonction TSL. Ça m'a permis de rendre la peau du visage de l'ange plus lumineuse, plus attrayante. Mais pour compenser le fait que la robe de l'ange soit devenue un peu trop lumineuse, eh bien, j'ai pris un pinceau et j'ai diminué l'éclat des hautes lumières sur la robe de l'ange. Touche finale, un petit peu de vignettage. Comme ça, ici. Voilà. Et j'ai la photographie finale. Alors voilà, comme vous voyez, c'est du travail pour arriver à faire quelque chose de bien avec une image comme ça, mais il faut y aller étape par étape. Euh, la réduction du bruit avec intelligence artificielle, c'est quelque chose qui se fait en un clic. La correction des couleurs avec la pipette, c'est quelque chose qui se fait très facilement. Le plus difficile, c'est de corriger la lumière avec les courbes de tonalité et la retouche locale. Et ça, ça demande de la pratique. Et oui, de la pratique. Il faut prendre son temps, il faut travailler et recommencer. Alors, euh, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Euh, Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis merci et à la prochaine. Bye bye.